Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vampire Survivant. On est toujours en live, on est toujours en coop avec Zikino, absolument pas Gaelden, mais Uzuzuk et Akat. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Et bisous, bonjour. Bonjour, rebonjour, ça va? Oh, ça va. Ouf, on est chaud. C'est la mort. C'est la mort. Bon alors, est-ce qu'on tente des bonjour persos, à Galios aussi. Ah, et salut Galios, on t'avait pas vu, merci d'être là. J'espère que ça va bien. Est-ce qu'on se reprend? Est-ce qu'on se retente le lac? Le lac, n'importe quoi. La tour? Comme tu veux. Après, on a débloqué le mode course, on pourra voir ce que c'est. À mon avis, ça va pas nous plaire, mais. Mais si. Mais... Allez, au bleu de choisir. Ah, mais non, qui c'est qui m'a désactionné? C'est encore moi. Mode speedrun. Hop, je reprends le vieux qui pue. Il a mis clic sur deux boutons, il est trop fort. T'inquiète, Galios, c'est pas grave. Hein. Y a, le lurk est totalement autorisé. Hein. Y a pas de. Je vais peut-être éclair woman. Ouais. Ouais, je pense que là, entre le truc qui rebond, l'ail, l'éclair qui tape, y a moins que ça fasse. On commence à être efficace en termes de dégâts, quoi. Je vais éviter de toucher trop aux touches, hein, parce que ça part en tous les coussins, c'est vrai. Mmh. Ouais, le chat a dit ça tapait les alliés. Il a des chances d'attaquer les alliés, ouais. En fait, elle sort et il y a un chat qui est invoqué puis qui va griffer les ennemis. Mais t'as une chance d'avoir un chat noir, je crois, qui t'attaque toi, ou si tu te mets sur son chemin, il peut t'attaquer, un truc du style. Ah ouais. Non, mais sinon, il faut prendre le mec avec la grosse épée, hein. Faut prendre Naruto. Naruto. Là, on n'a pas le chien, donc je sais pas si le trop plein de santé, tu vas en avoir des masses, mais ça peut se ah, monter, hein. Ah, mais parce qu'il se soigne pas tout seul? Non. Ah. Enfin, une fois que t'es à 100% de vie, t'as pas la régène de vie qui t'augmente ta santé max, quoi. Ça serait abusé. Non, c'est si tu prends genre un poulet alors que t'es plein de vie, bah ça t'augmente ta santé max. Mmh. Je vais partir là-dessus. Comme ça, quand on sera à la fin. Sera plus simple. Tu vas détruire nos objets. Now. Oui. Alors la course, hein. Qu'est-ce que ça fait la course? Course. Ça augmente la vitesse de déplacement et la vitesse du chrono. Vitesse du chrono x 2, expérience bonus 25. Bah voilà. Ah oui. Et on va prendre une arcane pour nous aider, tiens. Allez, hop. C'est chaud quand même. Ça manque d'une petite infobulle, je sais pas ce que ça fait le sanglant. Sanglant. Chance de bonus, chance de bonus chance, plus 10%. 90% de déplacement en plus. Bon, on invite à des mobs. Au lieu de 25. Les mobs doivent être énervés aussi. Bon, on va prendre l'arcane, on va voir. De toute façon, on en a qu'une. Hein, donc, moins que tu mettes le. Ah non, c'est aléatoire parmi ceux que t'as déjà débloqués. Ah, mais regarde la sérénade de soins. Ouais, bah c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Fleurs. Il y a bien les fleurs qui sont là. Ouais. Et il y a bien le bâton. Il y a bien le bâton. Et ça, ça doit être le et bâton, bâton amélioré apparemment. Allez, bon. Prenons une sérénade de soins. Regarde le bas. Ok. Les ennemis ont pas l'air d'aller plus vite. Hein. Ah, j'avais oublié la feuille de protection. Là. Ouais, je pense que le chrono frappe l'ennemi le plus proche. Plus vite, hein. On a déjà deux niveaux là. Ouais, ça m'embête. Je vais prendre la baguette. Et ce serait peut-être pour faire des parties encore plus rapides. Parce que le jeu n'était pas encore assez rapide. C'est ça. Justement. Le flingue peut-être pas. Ah bah là ça recommence. Oui j'ai la même chose. Je vais prendre l'anneau de tonnerre. Attention. C'est bon. Ah oui le timer là il avance carrément plus vite. Ah j'ai vu ça. Que ça je prends quoi, avec elle. Ça la croix. Déjà le truc du démon quand il est amélioré à fond. Le pentagramme. Ça fait une, ça fait une lune. Je crois que j'ai jamais débloqué encore. Ouais, il me semble que le signe il a pas eu. On va prendre la Bible. Attendez, moi je sers à quelque chose. Le pentagramme, je l'ai pas débloqué encore. Je sais que c'est pété, il me semble que c'est pété. Mm. Bah, mais faut l'avoir. Le pentagramme de base il est pété, mais il est chaud à utiliser, mais il est pété. Quoi. Il est pété dans le mauvais sens celui de base. Non, en fait, je crois que à la fin, tout le monde réussit à l'améliorer au max.
tu peux rattraper tout ce que celui de base t'a supprimé. Par contre, c'est moi où il a pas sauté une seule fois jusqu'à présent. Si, voilà. Il vient de le faire. Ouais, il vient de le faire, oui. Parce que je l'ai amélioré et du coup il s'est déclenché, mais j'ai pas l'impression qu'il se déclenche des matchs tout seul. Ouais. Mm. Ah, l'armure. Allez là, t'es capable d'aller au milieu. Ouais, oui, il a réussi. Si, j'ai l'impression qu'il fonctionne quand même. Hein. Les ennemis autour de toi là, ils se font repousser et ils prennent des dégâts. Mm. Pas de bol, hein. Tu peux bannir le misange mi-démon sinon. Ouais, à 4, ça veut dire que tu peux pas l'améliorer donc. Enfin, tu peux pas avoir les deux. Bah, non, là, si tu l'as pas de base, tu peux pas avoir les deux, hein, c'est impossible. Mm. Et si tu fais bannir, ça bannit lequel? Tu peux choisir. Tu fais bannir et après tu sélectionnes celui que tu bannis. Autrement, le laurier, hein, tu pourras faire du corps à corps une fois. Le laurier ou le candélabre? Moi j'aurais banni le mésange mi-démon, moi. C'est deux fois qu'il nous le propose et. Voilà, tu peux choisir. Ouais, mais ça. Vous pourriez pas l'avoir aussi. Ouais. Oui, mais personne n'en veut. Effectivement, oui, ça fait des trucs chelous. Ah oui, Bah voilà, tu peux prendre de quoi améliorer ta propre bible. C'est ça. Tu vois que ce qui est bien par contre, c'est que bannir, c'est par perso et pas pour le groupe. Ah oui, il y en avait toujours deux là, j'ai pas fait gaffe. Ouais, il y avait toujours deux bannissements. Regarde, ah bannir ouais, plus deux que deux. Ah oui. Ah, je peux prendre la poudre céleste. Donc est-ce que pour certaines armes, il faut que ce soit la bonne personne qui ait la combinaison? Je pense pas, sinon ça serait pas marqué quand tu le prends. Bah ou alors c'est marqué pour dire prends le pas parce que c'est ton pote qui est... Ah bah là il a fait le... Ouais, ça aurait été de dire ouais, prends le pas parce que c'est ton pote qui doit l'avoir. Mmh. Ouais, mais vu qu'on n'arrive pas à survivre jusque là de toute façon... Ouais, je suis pas convaincu. Je suis en train de bully le boss là-bas dans le coin. Alors. Nous ne sommes pas coordonnés. Bah, je vais prendre la régène. Hein. Mais ouais, j'ai un effet de repoussement qui est. Oui. Étrange. C'est leur moule, hein, te plains pas. Bien joué le coffre. Qui est-ce qui l'a trouvé? C'est moi, j'ai bully le boss dans son coin. Ah, moi j'essayais de t'aider, mais avec mon arme qui est complètement random, je crois que j'ai pas mis un coup. Allez. Bah tout en bas, hein. Ouais, c'est vrai que si on prend la muette d'amitié à chaque fois, on va peut-être pouvoir monter de niveau une arme un jour. Ah bah ça a amélioré le pentagramme. Allez, à chaque fois que tu t'améliores une arme, tu la... Ça, ça le faisait aussi en solo, tu l'actives instantanément. Mm. Ah mais si on active bien... Il faut activer le pentagramme à fond, il faut le monter tout de suite, comme ça il va plus nous emmerder après. Ouais, mais faut l'autre pour l'améliorer. Faut l'autre objet, ouais. Je sais pas c'est quoi l'autre objet qu'il faut. On va l'avoir. Pas certain, mais j'ai une idée. Probablement un triangle. Non, je crois que j'étais rentré dans la logique du tu perds tellement d'XP avec le pentagramme. Je crois que c'est la couronne qui te donne de l'XP en plus. La couronne, ouais. Et il me semble que c'est ça qui l'améliore du coup. Ah, on l'a déjà Ouais. Il me semble qu'on l'a déjà vu dans le roadster et que ça. Bah, pour améliorer de toute façon, faut. Pour que tu saches ce qu'il faut, bah ça tu vois, pas typiquement l'armure. Vrai. Normalement c'était l'amélioration de mon projectile là, et c'était pas marqué pourtant. Barrez-vous pas, il y a un boss à tuer là. Oula, un peu trop près. Ah, c'est qui est mort. Ah, je suis mort. Bravo, j'applaudis. Là c'est moi qui ai eu le... Boum.
J'ai amélioré, c'est le... C'est moi. Ce tir-là, il est balèze, hein. Bah, il est... Ouais. Je sais plus à quoi il ressemble une fois amélioré. Ce serait pas l'orbe d'attraction pour le pentagramme? Non, je crois que c'est l'armure. Ah non, c'est l'armure. Ah, l'armure, on l'a déjà vu. Ouais. L'orbe d'attraction, c'était pour quoi déjà? J'ai un doute. Allez, s'en va là. Voilà. Et là, t'as vu, t'es revenu avec toute ta vie, toi. Bah, ah, mais parce que j'ai attendu un peu, peut-être. On a peut-être réussi à protéger aussi suffisamment, là. C'est ça, peut-être que les ennemis t'ont pas mangé. Mais j'ai l'impression que quand les ennemis mangent, le truc il allait plus vite, non? Peut-être qu'une impression. Ça va peut-être plus vite, mais les ennemis. Ouais, c'est plus vite à merde autour, on est d'accord. Ah, un gros crâne. Oula! Bonjour, tu l'empêches carrément d'approcher. Dégage! On est si repoussant que ça! Alors, tu rigoleras moins quand t'auras fait tomber le coffre dans le vide. Ah! Ben. Ah, le vent argenté, ça fait ça. Les ennemis vaincus peuvent donner de la vie. Bah, tu peux bannir l'autre du coup. Si tu veux. Attends. Et qui se sacrifie pour bannir des opposants, quoi. C'est ça. Donc là, je ne peux plus bannir. Je vais devoir prendre tous les cacas qu'on me proposera. Du coup, l'autre là, il est mort. Ouais, apparemment. Ouais, mais le coffre est tombé dans le vide. Bravo. Bien joué. Bien joué. Oula. Ça, c'est encore la faute du film. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. L'amulette, hein. Bah, ça ouais. Va activer le candélabre, le pentagramme. Donc, je pense que c'est le bon moment. Pas forcément. Ça peut être aussi. Ça peut aussi faire la Bible. Ça peut améliorer la Bible. Ça fait le pentagramme. Mais tant mieux. Il faut que le pentagramme soit amélioré à fond. Comme ça, le signe saura comment l'améliorer. Ça, on verra et on se souviendra qu'est-ce que ça fait. J'invoque quelques ennemis en plus, histoire de nous aider à améliorer. Toujours une bonne idée, ça. Bon, bah, ma pierre runique qui est au niveau max. Ce qui est très bien. Il te manque... Non, il y a quelqu'un à l'armure. Non, parce que là, tu vois, ça ne le marque pas, bizarrement. Ah mais la première fois ça le met quand c'est juste une amélioration il le met pas là tu l'as déjà pris pardon. Lui il l'a déjà désolé mais j'ai Non tu peux prendre l'ail hein si tu veux. Ouais je vais prendre l'ail, ça fait plus de dégâts. Mm-hmm. Et vu que les mobs sont assez faibles pour le moment. De toute façon il faut que les deux objets soient améliorés non? Non c'est juste l'arme. Il faut que ouais mon arme est au niveau max donc à partir du moment où on a ça c'est bon hein. Normalement c'est ça. Ouais, il n'y a pas besoin que l'armure soit améliorée. Le pentagramme! Et aussi, c'est ah, on a quand même eu le coffre! Oui, parce que ça a tué aussi. Le mob et ça a pas tu cassé le coffre. Donc le coffre ah, si, je crois, qu'au début, je crois que c'était un truc aléatoire. J'en ai pas fait gaffe à chaque fois, mais je crois qu'il y a un pourcentage que ça fasse faire 65% de chance que les objets disparaissent. Ouais. C'est ça. Donc le pourcentage. Ce qui est bien, c'est que maintenant il est amélioré à fond. Je vais prendre une deuxième arme. Ouais mais on n'a pas la couronne. Le pendule non? Le pendule, je suis pas fan du pendule en général. Venez les zombies. Bah là il y a fond. Ouais là il y a fond. Là il y a fond hein. Ouais. J'ai une odeur. Ouais c'est pour ça qu'on reste loin d'ailleurs. Tiens bah la reliure là. Oui, je l'ai déjà. Oui. Je vais mourir. Pourquoi il y a un truc... cette baisse de vie d'un coup là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est jeté sur nous au moment où je l'ai pris. Là, c'est les mini-dragons qui font plus de dégâts, je pense. Ils sont plus durs à avoir. Ah, ils sont rapides en plus là quand ils chargent là. Ouais, j'ai pas vu arriver. Ah, moi, je crois que c'est eux qui m'ont. Ils m'ont ouvert aussi. Il y a une chauve-souris boss à droite là. Projectile de plus hein. Le problème de la foudre boss, c'est que hein. C'est pas précis. Bah après tu le contrôles pas comme moi mes projectiles là. Tu les boss avec. C'est une histoire de coup de chance quoi.
Ah, tu peux prendre l'orbe d'attraction. Ou bah après le ouais. Niveau 8, mais on sait pas du tout si on a l'objet quoi. Je crois pas qu'on l'ait, mais. Ça se tente, hein. Au pire, c'est fait. Hein. Mais au moins, comme ça, tu pourras. Ça tombera plus. Allez, et là, on améliore le pentagramme direct. Ce serait beau. Ou ton truc. Ah, l'ail. L'ail. Ah, plus. Yes. Ça, c'est, ça, c'est bon, ça. Par contre, ça, moi, je l'ai jamais eu. Vol des cœurs, il gagne en puissance lorsque vous récupérez. Ok, c'est comme le fouet. C'est cool. Ouf. Ça a changé un peu d'ailleurs, parce qu'avant il volait de la vie, il me semble. Ouais, c'était pas ça. Non, j'ai quasiment sûr que c'était pas ça. Là, c'était vol des cœurs, donc c'est. Par contre, il y a un perso qui était pas apparu là sur le roadster des armes amélioré, mais je n'ai pas vu qui. Ah, ça devait être moi parce que mon premier arme est amélioré à fond. Peut-être l'arme qui est améliorée à fond. Ouais. Ah bah, on fera gaffe la prochaine fois. Ah, c'est peut-être toi vu que t'as un éclair à fond. Peut-être. Ou alors c'était parce que l'ail est amélioré à fond. Non, bah c'est peut-être toi si ton. Non, parce que j'étais dessus. Si ton anneau de tonnerre est au maximum, il n'y a plus rien à améliorer du coup. Faudrait que tu prennes une deuxième arme. Peut-être. Ouais. C'est peut-être ça. Ah, c'est bien. C'est quand même fort hein, le. Oh bah. Ah bah. Ah oui. Ça va être fort aussi. Il y a un mur là au milieu, d'accord, il y a un mur au milieu. je cache le mur. Ouais, avec l'aurore foncé et tout. Est-ce que je prends celui du bas ou ouais, j'espère vas-y. Avoir... Non, vas-y, prends-le. Ouais. Et on voit bien tout en bas que les deux trucs sont déjà bannis. Ouais, c'est banni pour tout le monde. Ouais. C'est banni pour tout le monde. Mais vous pouvez en plus bannir des objets. Yep. C'est ça. Donnez-moi votre XP. Y a pas le là, on est tous les quatre sur la lunette. Ouais, donc ça devait être ça. Ouais. Pourtant, t'as pris l'anneau duplicateur, non? T'as pris une nouvelle arme? Non, j'ai pris l'anneau duplicateur, donc peut-être que ça va améliorer l'anneau duplicateur. Ouais. Ouais, sans doute. Non, ça va pas améliorer l'anneau d'éclair. Toujours le même skin. Bah non, pour l'améliorer, après, il faut que t'aies un coffre, mais il a peut-être gagné un niveau, quoi. Si on regarde, excusez-moi, est-ce qu'on peut choisir? Ah, il y a deux coffres juste au-dessus. Non, je peux pas voir. Moi je peux mettre pause. Ouais, tu vois, si c'est bon, tes deux trucs sont à fond donc c'est ça, ça t'a amélioré ton truc. Par contre, ouais, c'est on cool le coffre. On remonte violet, voir les coffres là, il y en a deux là-haut. Il y a un coffre violet, ouais. Ah, la couronne. Tu penses? Ouais, c'est ça normalement pour améliorer le pentagramme. Je paye la couronne. La Bible, hein, l'attaque. Ouais. Ça y est, on est dans les moments où ça monte. La vitesse des projectiles, la portée des attaques. C'est un peu nul tout ça. La vitesse des projectiles. On a quand même pas mal de projectiles. Ouais. Ou je bannis un truc. Moi, la portée, ça changera rien. Est-ce que la boîte, on en veut? Je vais bannir la boîte. Ouais. Hop. Et du coup. Un projectile de plus, non? Non, j'augmente la régène, vu qu'on a eu des soucis de vie. Après la régène, j'ai des chances que ce soit que pour toi. Ah. Oh là là. T'es avec son œil là, il s'enfuit en haut là. Didili? Alors, est-ce que ça va être l'anneau duplicateur? Il y a des trucs de couleurs que je n'ai jamais vu, donc il y a plein d'améliorations. Ouais, normalement, quand il y a une arme améliorable, le coffre est censé donner à 100% de chance une amélioration. Donc... Bah voilà. Et du coup, attends, je suis où? Bah t'es mort, je crois. Je suis mort. Ah, il y a un ennemi là. Protégez-le. Ah là là. J'en ai. Le drame. J'avais pas vu que c'était un ennemi, ça. Concentrez-vous, les gens. Il y a le boss qui est en train de s'approcher de l'autre là. Entre la zone noire, le sol noir, les ennemis qui. Il me semble qu'il est invisible. Les ennemis invisibles. Le grand mage. Et du coup, le coffre violet il est où là?
Juste plus haut. On voit pas la flèche parce qu'elle est derrière le compteur. Il y a un petit peu trop de monde, ouais. Des monstres violets dessus en plus, mm. Les salauds. Et quand il y a autant de monde que ça, les petites flèches sur nos persos, ça aurait été bien qu'elles restent. Avançons vers le nord parce qu'il y a du monde et restons concentrés, enfin groupés. Groupés, ouais. Il y a un candélabre là, peut-être un truc, il y a un gros mec avec un bouclier encore, attention. Oula. Ah oui, en haut à gauche. On est bientôt au coffre. Il est là. Ouais, il est à là. Droite. J'ai chargé le coffre. Qu'est-ce qu'il y a de spécial du coup? A priori rien de particulier. Je vais peut-être pouvoir améliorer C'est pas les trucs des arcanes hein? Non. Non. Ah, donc ça veut dire que effectivement l'armure, il faudrait que ce soit moi qui l'ai. Parce que là, ah, du donc coup, on va peut-être pas pouvoir améliorer le... On peut pas améliorer le mien, le pentagramme. Et peut-être pas le pentagramme du coup, non plus. Alors il y en a certains où ça marche et d'autres où ça marche pas. On remarque les deux qu'on a améliorés, vous les avez pris chacun les vôtres, hein, donc... Ouais, c'est ça. Il faut peut-être prendre chacun les nôtres. Hein. Je pense. On continue vers le bas ou on remonte? Il est à fond ton petit carré là, ton petit... Non, ma pierre runique, ouais, il est à fond, ouais. Depuis un moment d'ailleurs. Ah, ce serait violent ça si c'est... Bah ouais, après, quand tu remarques ça évo le machin, ça évo telle arme de bidule, bah, ça veut dire qu'il faut que tu le prennes quoi. C'est dommage que des fois ça soit marqué, mais je suis quasiment sûr que quand t'as pris l'armure pour la première fois, c'était pas marqué. Mais je sais pas. Par contre... Non, il y avait rien sur mon armure. Quand t'as pris le... l'orbe d'attraction, c'était, pas dit... c'était marqué que ça améliorait l'eau bénite, donc il y a peut-être certaines armes qui sont améliorables par les autres et pas tout. De manière assez bizarre. Ah, c'est bizarre parce qu'en plus c'est pas marqué que ça améliore quand tu connais pas donc ça cache encore plus les trucs tout en bas. Quand on tient bien là 20 minutes la course Alors qu'est-ce que je prends? Bah du coup un truc qui te ferait plaisir. Frappe les ennemis à proximité, les dégâts sont multipliés par la vitesse. Mais j'ai pas beaucoup de vitesse, j'ai que 10%. Moi j'aime bien la hache sinon. En plus là en verticale elles vont monter et vu qu'on descend. Ouais vont attaquer au-dessus et retomber, c'est pas mal. Hein. Ah y'a un coffre en haut je crois, y'a une flèche. Y'a une flèche, ouais. Oui. Y'a Papy qui charge. Ça a repoussé un dragon, c'est déjà pas mal. Papy il aime les coffres. Ça sent l'or. Un coffre tout de suite. Ça sent l'or. L'armure. Ou alors peut-être qu'il faut que ce soit les deux objets améliorés à fond pour qu'ils... Pour certains, c'est possible que ce soit pour ça. Pour qu'ils améliorent le quand on a deux, sur, deux ob... sur deux persos. Ouais, ce serait chaud. Pour limiter un petit peu le fait de trop améliorer. Salut Kazukos. Et salut Kazukos, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Il y a encore un coffre là-haut. Il y en a un qui vient de tomber là. On loot tellement de coffres. C'est bien, c'est ça qu'il nous faut, c'est des coffres. Hein. Quand je disais justement qu'on en a looté plus, pas beaucoup avant, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a plus que ton truc à améliorer, c'est ça? Ouf. Non, moi j'ai des trucs à améliorer là. Oui, je veux ça. Et je veux moins charger que ce que j'étais en train de faire. Parce que j'ai déjà plus de vie. Déjà pas mal. Ah. La couronne! Il y avait eu le Pourquoi vous avez 4 slots d'objets chacun parce qu'on joue à 4 et donc on pense que c'est pour réduire la possibilité d'avoir une partie trop facile. Ouais, déjà on ça commence limite les armes en fonction de nos joueurs. On commence la partie avec 4 armes en vrai. Parce qu'elle est déjà un peu pété au début. Ouais, c'est vrai que si on pouvait chacun avoir 6 armes, ça serait un peu monstrueux quoi. C'est une manière d'équilibrer le multi. Mais là, à la fin, quasiment au même niveau qu'en solo quoi, sauf qu'on a 4 points de dégâts. Bah on chie un peu quand même, on sent la violence à un moment. Oui. Je suis presque sûr qu'il y a plus d'ennemis moi. Oui, possible. C'est difficile à dire, on est à 22 minutes là quand même, il y a du monde à 22 minutes. Hein. Ouverture des soldes. Ah, il y a une cocatrice, oh il fait mal. Vache. Ah, qui c'est qui m'a dit, protège. C'est le boss là à droite.
Le gros boss qui... Ah. Oh punaise. Je suis mort aussi. La cocatrice qui grossit. Tu vois, pour... Le petit effet du multi aussi, hein, Kazuko, c'est que quand on meurt, on laisse un cercueil derrière nous avec une jauge qui se remplit. Sauf que le problème, c'est que les ennemis... Il y a un coffre à gauche. What ? Je l'ai pas vu. Au revoir, hein. Les ennemis qui... touchent le cercueil se nourrissent... Putain, la vache, un coffre à gauche. Se nourrissent de l'énergie du joueur et ils deviennent de plus en plus gros. Bon, il a l'air d'être au max quand même, celui au-dessus, mais waouh. Ouais. Ah oui, c'est la violence. Non, je... La guérison... C'est horrible, c'est horrible. Après, ça nous donne des chances de plus hein, de survivre, hein, c'est vrai. Hein, mais... mm. Les meilleurs H. T'as des chances de survie, mais... Mais les ennemis sont un petit peu... Les ennemis, t'es en train de mourir, alors... Je suis très bien en train de mourir. Par contre, la cocatrice a été bloquée par le cercueil, donc c'était bien. Ouais. Oups. J'ai trop fait un câlin au poulet. Ah, le poulet, il fait... Ah, il y a un crabe en haut. J'ai l'impression qu'il charge le crabe. Ah, c'est le crabe géant, ouais. Ça, c'est l'un des trucs spéciaux de cette zone. Attention. Ah, attention, il s'approche. Là. Allez, hache. La hache ou la... Je pense XP, que du dégât, c'est bien, là. Ah, oula, il y a la mort, niveau. Là. Ok, bah il faut remonter, on n'a pas le choix, sinon on va finir noyé. C'est ça. Le truc est de l'enfer, quoi. Deux joueurs peuvent pas avoir le même objet, Kazukos, non. Ah, le crabe, là, il est un peu énervé, là. Bon, la mort, elle va rester trop loin. Ah ouais, mais alors là, on n'arrive toujours pas à tuer la cocatrice, et alors les cercueils, alors qu'il faut monter, on va être obligé de vous abandonner, les gars. Bonjour. La violence. C'est la défaite. Ah bah, 26 minutes, c'est pas mal, hein. On a quand même bien tenu. Regarde la taille du crabe. Ah ouais, non mais... 360... T'as fait 507 de DPS avec ton truc. Ah la vache. C'est super fort, ça rebondit bien et tout, mais... Ouais, bah quand il commence à y avoir des ennemis, c'est hyper fort. Ouais. 1,6K. Bravo. La boucle de tonnerre. Ah ouais, violence, d'accord. Quoi. T'as quand même fait... Bah, une arme améliorée, ça dépasse tout en DPS. Et en dégâts. En 4 minutes, elle a fait 1,6K. Ouais. Ah bah on le voyait, hein, quand ça passait, que ça nettoyait le champ de bataille. 26 millions de dégâts. 41 000 de DPS. Ouais, mais ça c'est parce que quand elle enlève un PV à un mob, pour le... enfin, si un mob a 100 PV, ça compte comme faisant 100 PV. Ouais. Tu penses ? Alors, je pense, ouais. Très... Mais en plus, il y a les dégâts que tu fais du coup, plus ou moins en permanence autour de toi, là. Ouais, ça c'était bizarre. C'est... Il me semblait pas qu'il y avait ça avant. Le pentagramme est très fort, hein. Ouais, c'est... Est-ce qu'il y a la manque... collection, là, le pentagramme, il dit quoi ? À droite. Décime tout ce qui est visible. Efficace, ouais, avec c'est recharge cool. Et chance. Ah, ouais, il faudrait chance, il faudrait peut-être. Ah, ouais. On va en refaire donc, un autre. Donc le trèfle, on peut refaire une, ouais, moi ça me dérange pas. Moi je m'amuse. Hein. Je vais essayer de prendre ça du coup pour soigner un peu du coup pour le coup. Je vous laisse choisir. J'arrive qu'à 20 secondes. Ça veut dire que le signe noir a donc bien une chaise percée. Le signe noir, il t'embête. Mais je t'aime aussi. Hop. Ok. J'ai du lag. Je ne bouge plus ma manette. Alors. Ah, je joue qui, moi ? La baguette de feu ? Les hoches. Il est où mon truc ? Pourquoi je suis sur le vieux ? T'es sur confirmé, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est reparti. Lance-flamme. Ouais. C'est... Après la hache, c'est directionnel au bas quand on a le lasso gauche-droite. Ah, c'est vrai que si on se met à deux sur la même case. Non, je vais prendre le lance-flamme. Maltrépuchien, ça avait l'air marrant. Non, on n'a pas réussi pour le pentagramme.
Non, non, c'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est que tu cherches les objets, quoi. Mais je pense que c'est quand même, faut le même perso, faut que le perso ait ses trucs. On sait pas l'objet qu'il faut pour faire évoluer le pentagramme Kazukos encore, donc on l'a pas fait évoluer du coup. C'est ça. Et s'il vous plaît, ne le dites pas. Pas de oui, backseat. Pas de backseat. Alors qu'est-ce qu'on se prend? Est-ce qu'on se prend un bonus? C'est quoi les bonus? Bah c'est des maps un peu zarbes. Colique. Genre l'air de lune, c'est le fond d'une piscine. Ouais. Quoi? Ça a l'air. Allons-y. On va peut-être pas prendre la course. Qu'est-ce qu'ils parlent de piscine, les gens? Regarde le sol. Il y a un clown. Oula. Ah oui, c'est vrai. Ah, on peut lui acheter des armes spéciales. Ouais, mais du coup, tu utilises l'argent que tu as. Viseur de verre. Fait apparaître le marchand dans tous les niveaux. D'accord, c'est un marchand. Ah, ok. Et ouais. Bah, il y a la relique du niveau, c'est ça. Yep. Là, tu viens de claquer 10 000 balles que t'avais. Ouais, exactement. Oui. T'étais presque à tes 16 000. Ouais, mais c'est comme ça. Ah, t'as vu, t'as des menus en fond, t'es vraiment dans le fond d'une piscine. On va où, gauche, droite C'est vraiment le fond d'une piscine, hein, j'avoue. Allez, je vais prendre l'aiguille. D'ailleurs, t'es où? C'est toi qu'il faut que je level up. Putain, mais il y a plein de trucs partout là. Merde, oui. Les ailes. Je m'en fous des ailes. Ouais, normalement, t'as 4 gros. 4 fonds noirs. Et t'as 4 objets, tu peux ramasser des milliers d'objets, enfin des dizaines d'objets dans toute la piscine. Je me demande s'il n'y en a pas 12 ou un truc comme ça. Attends, prends le soin, le signe, vu que ton perso. Oui. Peut-être juste au-dessus le cœur aussi, je sais pas. Le cœur, mais... non, je. Mince. Attends, et la question c'est. Ouais, je peux tous les prendre en fait. Ça, ouais. Ah, ça c'est pété. J'espère que je pourrais améliorer le fouet du coup. Ah oui, le cœur vide, j'ai oublié. Ah oui, ouais. Le cœur vide, c'est le fouet. Oui, oui, exact. Bah, désolé. On verra, mais... Pas grave. La baguette pire, de j'ai l'aiguille plus. Ah, mais pareil, l'aiguille plus, c'est le cœur rouge, du coup. Ah oui, bon, c'est bah c'est le signe qui a tout pris, voilà. J'arrive pas à te soigner, tu vas trop vite. Si on perd, ce sera de la faute du signe. C'est marrant, parce que du coup, il soigne de 5, là, le... Les fleurs. Bah ouais, mais toi tu peux te level up. Ça te level up ta vie max. Bon, je vais rebannir les flingues. Bah, tu peux prendre une autre. Bah, ou prendre le spell stream ou l'autre, si ça t'intéresse en tout cas. Bah, le kart, pas trop quoi. Enfin. Non, mais le spell stream, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Ça fait une boule, c'est ça? Bah, c'est juste que je dois me spé en vitesse quoi. Et comme c'est toi qui as pris les ailes. Ouais, mais ça augmente la vitesse de tout le monde, donc c'est pas grave. Ah, pas sûr. Oh, non, on avait vu que la. Là, j'ai. T'es à 40. 40%. Tu as 10. Ouais, parce que t'as les 10 de mes ailes. Voilà. Bah non. Vas-y, fais reprendre. Et moi, je suis à 10 aussi. Ah non, 10, ouais. C'était parce qu'on a pris. C'est les bonus. C'est les bonus c'est que t'as peut-être acheté. Le bonus de base. Ouais. Ouais. Oula, je crois que je me fais attaquer. Il faut pas prendre l'épinard, c'est pas. Ouais, j'ai compris. Bon, on va prendre ça. Hein. Ouais. Ah, mais en fait, ils vont dans mon sens là, les machins qui volent autour de moi, dans le sens où j'avance. Ah, oui, ils restent autour de toi quoi, ils restent proches. Je dirais. C'est un peu là, comme une bible bizarre. On va en haut à droite là. Il y a des cercles d'objets si on va vers le haut droite. Ouais. Là d'où on vient en fait. Ouais. Ah t'as l'aiguille aussi. Ouais j'avais pris ça mon premier niveau. En fait les conteneurs là ils font des dégâts hein, attention. Oui ah. Ils donnent des pièces. Ils donnent des pièces. On sera pas grand chose, ouais. J'ai vu. Du coup, ça sera pas grand chose comparé aux 10 000 mais... Quand je vérifie j'ai 220 de santé max là et si je prends... Non, je suis quand même à 220, donc ça booste pas mes PV max. Et là, je t'en ai mis. Vas-y, refais start. Là, t'as fait 55. Je suis passé à 224, tu vois. Il y a l'anneau duplicateur. Il y a l'orbe. Ouais, qui prend quoi? Les bouquins. Le bouquin, c'est pour la baguette du mage, je crois.
L'anneau duplicateur, c'est pour l'anneau électrique. L'éclair. Et le truc en bas, je crois que c'est pour la fiole, non? Je les connais pas celui-là. En bas à gauche, oui, c'est l'eau bénite. Ouais, l'eau bénite. Bon. Attends. Donc moi, ça me sert. Les quatre objets qui sont là ne me servent à rien. Ah, pour le moment, oui. Ah non, parce que en arme. Oui. Donc les quatre objets ne me servent à rien. Donc alors, moi, j'en prends pas. Je sais pas ce qu'il faut pour faire évoluer le spell stream, mais. Ah oui, et du coup, si on prend les objets qui sont au sol, le jeu va pas nous en proposer tout de suite. Non. Alors, il va pas nous en proposer plus, vu qu'on est bloqué, on. C'est ça. Donc, on faut les prendre après. Ouais, faut peut-être les prendre après. Ouais. En toute logique. Mais on peut rester dans la zone. Après, les autres. Aller voir les suivants. Ouais. Je sais pas où ils sont, juste au-dessus, je suppose. Ouais. Un peu plus haut, mais. Ouais, en fait, le chien il fait des dégâts sur la durée. Il y a l'épinard, c'est pour moi. Le truc de la Bible. C'est l'épinard. Ouais, 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 pour le feu, c'est l'épinard. Voilà. Les couteaux. Et ouais, il y a la... y a le candélabre. Bah, je sais pas. Je veux bien prendre la baguette. Ouais, bah vas-y. Il y avait un truc pour la baguette, pour la maison. Ouais, oui, c'est le livre qui était en bas. On va pas aller le chercher. Et si c'est le livre en haut à droite. En haut à droite. Le livre rouge. Ouais. Le livre rouge, ouais. Un crabe. Là, il y a un crabe. Ah, t'es moins gros que ton copain, hein. Ah, c'est, il faut vraiment se coordonner quoi. Mmh. C'est bien, ça ajoute un peu de complexité au jeu quoi. Bah oui, du coup, puis tu peux aussi, comme ils disent, faire chier tes potes en prenant les objets. Ouais, mais ça n'a pas d'intérêt. Non, jamais. Mais je crois que je sais pas ce qu'il faut pour l'améliorer. Ah si, c'est le cœur qu'il faut pour améliorer le. Ah, on ça peut aussi. Être pour améliorer plusieurs. Bon bah t'as bien fait de prendre le cœur du coup. Ouais. Et donc tu vois Gan. Alors. Mais je suppose que moi il n'y a pas de truc pour améliorer. C'était quoi? C'est ouvrir le livre. Le livre. Ouais. Toi si. Ouais, mais ça met bien en vert. Ouais. Essaye d'aller sur la page 2. Non, on voit pas les fleurs, d'accord. Ouais, j'ai pas vu les fleurs. Le spell stream, y a un autre spell l'autre visiblement est. Et un troisième spell. Oh, les trois S. Est-ce que tu l'avais eu en live ou en. Ah, l'armure et la grosse épée qui donne des coups au sol là. Je vais regarder moi si. Bah ouais. Ah, là, non, quoi que non, ils le mettent pas. C'est pas entouré, ouais. Donc il faut bien que ce soit chaque perso. Ok. Nous avons répondu aux questions. Alors, il y a quoi là? Une couronne? Y a le masque de pierre. Il y a la thune. Je veux la thune. Qui veut après, Je vais augmenter le feu encore. Faire du dégât. La question, c'est qui prend quoi là? Parce que là, je crois qu'il n'y a rien qui nous intéresse. Non, mais on va essayer de se remplir et puis on ira prendre après. Ça peut être intéressant aussi de voir si tu vois typiquement on arrive à popper un des objets qui est posé et qu'après une autre personne le prend une deuxième fois. Ah oui. Est-ce que c'est possible? Ah bah. Non, ça c'est celui que j'ai déjà. C'est celui que t'as déjà. Oh là là. Ah, techniquement tu devrais pas te proposer une nouvelle arme maintenant. Ah bah oui. Donc, t'as que deux cases. Voilà. L'amulette de l'amitié, hein. Ouais, c'est bien. Ouais. Ah, ça apparaît fugitivement au-dessus de la tête, en fait, le truc qui est amélioré. Ah, j'ai pas vu. J'ai vu mon bâton un tout petit peu avec un puissant au-dessus de ma tête. Ouais, alors, dans la bouillie de pixels, c'est compliqué. Non, déjà, après, si vous avez pas les yeux aussi, hein. Ah, mais nous, on a une qualité d'image inférieure à la tienne. C'est possible, ouais. C'est vrai que c'est correct d'ailleurs le Together. Ouais,
Des fois ça part vraiment en cacahuète. Hein. Ouais, je trouve que c'est un peu pire que Twitch. Ah, carrément. Je peux vous streamer sur Discord, hein, s'il faut. De toute façon, c'est pas dur, quand je t'ai demandé, quand j'ai eu mes armes, quand j'ai dit, est-ce que c'est celui que j'ai ? En fait, je voyais juste du bleu. Je voyais un carré bleu. Ok. Voilà. Là-dessus, c'est pas bien fait. Oula, les ennemis vert-bleu sur fond vert-bleu, pareil. Tu les vois pas forcément. Il y a des trucs qui bougent, donc c'est que c'est vivant, donc c'est un ennemi. C'est ça. C'est un crabe. Le feu, ça part dans n'importe quelle direction, hein, c'est ça. Hein. Je crois que c'est l'ennemi le plus proche, non ? Ouais, un truc du genre. Je crois que ça vise l'ennemi le plus proche et après ça va n'importe où. Ou alors ça, c'est les... C'est les croix, là. Je sais plus. On ira voir dans le... Non, après t'as un guide, hein, donc... Là par exemple le cœur vide, je crois, j'arrive pas à lire avec le niveau tout en haut. Moi je vois pas le cœur vide. Je dirais pas... deux. Ah, ouais. Là ça va mieux. Ouais. Alors que tout ce qui était en bas c'était lisible. Ouais, et cœur vide c'était vraiment en même du 144p c'était beau quoi. Après, c'est la première fois qu'on fait du remote play, je crois qu'il y a moyen de changer les réglages. Ouais, il y a peut-être des choses à faire pour ça. Bah, puis c'est vrai que bon, j'ai quand même une connexion très correcte, mais il y a le live en plus, le record. C'est ça. En fait, il aurait peut-être fallu que ce soit par exemple moi qui fasse le remote play et que toi tu live en fait. Ouais. Au niveau de la bande passante. Peut-être. Peut-être. Bah après ça dépend parce que si la qualité était vraiment merdique, ça aurait fichu d'avoir une qualité merdique en live. Mais... Oh. Ouais, il y a aussi ça. À l'amitié, oui. Puis en plus, après, faut avoir les DLC quoi. C'est ça, moi je les ai pas donc. Je n'ai que le jeu de base. Niveau 7, bah oui, on va essayer de l'améliorer. Hein. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour une mise à jour gratos, c'est franchement cool. Hein. Oui, bah oui. Ça, c'est sûr. Après, les mises à jour gratos, moi j'ai envie de dire, on prend toujours. Hein. Oui, c'est vrai, non mais enfin, ils auraient pu. Ils auraient pu faire. On se plaint de Steam plus que du jeu là, c'est. Oui, non oui, mais. C'est ça. En vrai, être sur le. Être à la maison ensemble et tout, ça serait très génial. Non, mais. Par contre, ça peut être très très fun à 4 sur une télé, sur une grande télé, ça peut être. C'est ça. Ouais, je vais augmenter le fouet. Je pense qu'il y a moyen de te passer une bonne soirée pizza-bière, quoi. C'est déjà bien comme ça. Alors, sachant qu'ils ont aussi annoncé qu'ils avaient changé le moteur du jeu, alors c'est pas forcément. Oui, visible, c'est vrai. Ouais, ça, j'ai ça va vu leur ça, permettre de faire des trucs un peu plus rigolos. Mais ils sont passés d'un moteur JavaScript à Unity, donc en C#. Un peu plus natif, et puis, quoi. Et puis, j'ai envie de dire, Unity, tu peux faire des trucs de taré avec. Hein. Ouais. Enfin, on a vu des jeux de fous sortir sur Unity, quoi. Donc, Bah, sachant qu'ils ont aussi publié un screenshot pour spoiler un peu les futures nouveautés, et il est possible qu'il y aurait peut-être genre un mode aventure qui arrive. C'est ce qui serait assez rigolo, je pense. Je vois pas trop comment ils peuvent faire, mais... Ouais, une mini campagne avec des maps où t'avances et tu gardes tes armes entre les niveaux. Imagine les trucs. Hein. Ah oui, putain, mon perso, quand il prend un poulet, il se soigne de 160 quoi. Il est fan de poulet. C'est ça. Bah, déjà, il se soigne de 5 avec les fleurs alors que vous, c'est 1, je crois. 3, j'ai l'impression de lire 3 moi. Ah, peut-être 3. Ouais, je vois du 5, du 3. 5, c'est moi. Ah, un crabe à droite. Ah oui. Vitesse de base plus pourcent. 30%. Plus 30%. À la première, je lis rien du tout. C'est la poudre céleste niveau 30. 7. Vitesse de base plus 30%. Ah. En fait, c'est le signe qui doit lire pour les armes. La chance ou le revive, c'est chiant. Le revive, ouais, je peux plus aider. Allez, la chance. Je peux vous lire hein, si vous. Je savais pas que c'était à ce point là pourri, mais. En fait, ça dépend des fois.
ça s'améliore au fur et à mesure, donc il faut attendre quelques secondes et après ouais, on peut lire. Que l'image soit fixe pendant le temps qu'elle rattrape, quoi. On dirait que la fleur, tu peux pas l'améliorer, ouais. Ça fait partie des trucs que tu peux pas améliorer. C'est clairement du lag, ça, donc... Et du coup, je crois que dans les objets au sol, il y avait un trèfle, si... Oui. Je ou quelqu'un d'autre veut le prendre. Et en haut à gauche, je crois. Ouais, faut qu'on monte bien en haut. Le tabasson de crabe. Ah, je crois qu'il est tabassé. Je me suis approché, il est mort. Ping. Ping. Le petit ping. Par contre, c'est toujours aussi lent quand t'as ouvert le coffre pour te dire « Ouais, ça fait ça, ton truc. » Ouais, mais... Il est resté actif longtemps, le pendule. Là. Ouais, mais au moins, tu peux pas dire « Ah non, ça va trop vite, j'ai pas le temps de lire. » Mais le... Ah ! J'ai trouvé un coup de trèfle au sol. Un deuxième. Là, le premier, je lis pas, tu vois. Dégâts subis moins 1 pour l'armure. Ouais. Et même l'aiguille du pendule, c'est je le sais parce que je connais l'icône, mais... Le texte n'était pas clair. Ah là, alors. Du coup, quelqu'un d'autre prend le trèfle pour voir en bas à gauche. Je peux le prendre. Tu peux pas. Je peux pas le prendre. Bien vu. Qu'est-ce qu'on a répondu ? Ils sont malins. J'allais dire moi non plus, mais. Je n'y allais juste pas assez. La couronne. Bon, bah, du coup, on peut tous répartir, quoi. Ouais. À moins que moi, je peux prendre le, objet je la thune, voilà, je vais prendre la thune. Ça fait la couronne. Quelqu'un a besoin de l'orbe d'attraction ? Non. Non. Je la prends. Je sais même plus quel objet on a. Plus de vitesse des ennemis. Plus de vie des ennemis. Le mec il est joueur quoi. On n'a pas réussi à gagner une fois mais. Hein, c'est pas en essayant pas qu'on y arrivera de toute façon. C'est ça. Oui. Il a. Non, ça je m'en fous, je crois. Non, c'est bon. On est là, c'est la portée. La portée de tes fleurs, c'est peut-être pas con. Bah, ça. Voilà. Dégâts des basses plus 10 pour ta baguette, elle sera niveau 8. C'est ça, comme ça, prochain objet normalement. Hop, en bas. Prochain offre, c'est la baguette améliorée. Alors, qui a des bons projectiles à multiplier ? Moi, je pense que ça compte comme des projectiles. Là, en haut à gauche. Et du coup, bah, l'orbe, il a déjà été pris, donc... Il y a le tiramisu. Ouais. Vas-y, go. Bon, là, on est un peu pété, je pense. Ah, il y a un crabe. Et ses petits amis. Beaucoup de ces ah oui, t'as beaucoup de trucs pour là, j'avais pas vu. Mais... Là, je suis où ? Là, normalement, ça devrait être la baguette. Bah, je crois que mon bâton est prêt à évoluer sinon. Yeah. La baguette de feu. Ok. Préparez-vous à la violence. Elle va lancer des crânes. Évolution la baguette. Transperce les ennemis. Ok. Tu vas voir, c'est assez énervé. Ouais. De mémoire. Ah oui. Ah oui, non, c'est le bon moment pour la sortir, je pense, là, en plus. Les crabes, là. Ah, les balles duplicateurs, hein. Ah, le duplicateur marche pas sur la baguette de feu améliorée. Ah non, du coup, je pense que ça doit marcher que sur non, le... Non, c'est vraiment... Ouais. Chacun ses objets. Ouais, ouais, du coup, c'est plutôt ça. Au final. Ah mais on découvre hein, on découvre. Ah mais c'est intéressant. Bah ça rend le jeu plus stratégique. Oula, c'est niveau combien les deux premiers ? Niveau 3 pour le spell stream et niveau 2 pour les épinards. En quoi on prend les épinards ? Ouais, tu peux améliorer tes dégâts, c'est hein, pourquoi, possible, hein. Portée de base plus 20%, durée de l'effet plus 0,25 pour le spell stream. Ah. Mais les gars, dans le doute, tapez plus fort. Hein. Mais ouais. Je vois pas c'est quoi ce splash stream. Je vois pas l'effet autour de toi. Ça fait, des petites zones d'explosion comme l'obélique là.
Parce que okay. Plus tu t'éloignes, plus ça fait des dégâts. Donc tu peux fuir en face de loin de tes spells, quoi. Ok. Niveau 8 pour la poudre céleste. Les ennemis vaincus peuvent donner de la vie. Ouais, j'allais dire ça, et de l'autre côté, c'est la baguette qui va s'améliorer, mais elle est longue. Niveau 3, recharge moins 0,2. Bon, je fais ça, comme ça, après, c'est fait. Ça ne proposera plus, au moins. Ouh, les grosses crampes carnivores, les crabes, là. Maintenant, on a... Des trucs avec des dents. Des plantes carnivores humanoïdes. C'est un concept. Ping, ping. Ah, j'ai plus d'eau. Il a plus d'eau, il va mourir. Bah, pourquoi il me donne pas ma baguette, l'améliorer, là? J'ai ce qu'il faut, normalement. Est-ce que ton bâton est amélioré à fond? Il me semblait. Ouais, le bâton est à fond. Il faut peut-être la vie à fond. Ouais, peut-être la vie à fond, ouais. Et puis c'est bizarre, parce que t'as certains objets où tu vois... Enfin, t'as certaines combinaisons où tu vois les deux objets qu'il faut, mais tu vois pas le résultat. C'est marrant. Parce que tu l'as pas encore fait. Ouais, ah ouais, mais c'est peut-être les nouveaux objets ou les objets des DLC ou je sais pas. Parce que les objets de base, tu savais pas avec quoi les mélanger. Ouais, tant que tu l'avais pas fait au moins une fois, tu savais pas. C'est vrai. Oula, toi t'as pas de vie. Alors le chien il court autour de son maître pour le délire. C'est mignon. Oh, je me casse, c'est bon. Et ça quand même régène plutôt vite, hein, en ouais, vrai. Ça régène bien, ouais. Plus d'ail. C'est pas déconnant. Voilà. Peut-être pas foncer sur les ennemis. Ça voilà. Me paraît pas viable. Avec de l'algue qui nous attaque. Il y a méga plante à droite. Là. Ouais. Et où? En bas. En bas aussi. Double méga plante. Dans le doute, tapez. Ah, c'est compliqué quand tu vises pas. C'est quoi qu'il la repousse comme ça là? C'est le fouet, mais il me l'a repoussé dessus. Non. Quand tu où, je suis là-bas. Vache. C'est pas que le fouet, je pense. Mais... C'est l'ail? C'est un peu trop brutal là. Fouet et ail peut-être. Peut-être. Non, l'ail ça repousse pas, je crois pas. Mais peut-être le pendule là. Une ouais. Grande plante. Ça me met de l'autre sens. La baguette. Niveau 3 pour la baguette. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de viser parce que mon perso vise automatiquement. Bizarrement, côté. Bah, et tout le monde. Presque tout le monde. Sauf l'archer. Non, mais il y a des armes où ça part dans le sens où tu le regardes. Poignard, ça part dans un sens. Ouais. Les miennes aussi tournent autour de moi, du coup. Moi, c'est littéralement, moi, je... Il décide dans quelle direction il tire, tu vois. Ouais. Et ouais. Moi, je lâche des trucs derrière et la baguette que je vois à peine tire sur l'ennemi le plus proche. Non, c'est pas moi qui repousse les ennemis. Ah mais oui, la baguette aussi, ça repousse un peu. J'ai l'impression que c'est la baguette qui repousse autant. Non, mais je sais pas. Le spell stream, tu crois? Peut-être. Ah, peut-être, les ennemis reculent quand ils sont à côté de moi. Je sais pas. Là, je suis tout seul sur le lit. Il va tellement loin, mais c'est toi, ouais, aussi, avec tes boules blanches. Bah, les boules blanches, je suis pas sûr, mais peut-être l'autre truc, le pendule là, parce que il est pas très visuel le pendule. C'est quoi? Ah! Mais normalement non, ça fait juste le rayon laser qui fait du... qui glace les ennemis. Ça les gèle sur place. Voilà, il vient d'être gelé. Ah, on a des masques volants qui arrivent. Mon dieu. Des capes. Des capes volantes. Ça fait peur. Quelle angoisse. Mais je veux mon bâton amélioré, donnez-moi mon bâton. Va gagner max d'XP. Enfin, je vais gagner max d'XP. Ouais. Comment ça marche alors l'XP? Ah, par contre l'XP je sais pas. Peut-être que c'est celle que toi tu ramasses ou alors c'est quand ça te va dessus, je sais pas.
Ou alors là-bas, faudrait regarder là-haut, mais... Ah, compliqué. Je suis mort. Ah. Je crois que j'ai confondu mon perso avec une des capes, là. Je crois que j'ai complètement cru que mon perso c'était une des capes, là. Je crois que je me suis ressuscité. Vu la vie que j'ai. Ouais, bah t'avais pris un tiramisu là. Attention, je vais revenir. Ouais, oula. Ah, ils deviennent bleus. Il y en a un qui est bleu. C'est pour ça qu'il est aussi vénère. Allez, c'est bon, je protège ton truc. Ok. Merci. Bon, bah c'était tendu, hein. Ouais, et c'est pas fini, il y a encore ces trois là. Ouais, tant qu'on arrive à gérer autour. Pointe la mort. Elle est venue, elle nous a one shot. Qu'est-ce qu'il faut la mort? Canin. À 15 minutes, ah c'est un 15 minutes. J'ai figé la mort quand même, ça c'est beau. Ah, ce serait un niveau à 15 minutes qui s'arrête au début. Bonus, ouais, c'était un petit niveau bonus. Donc. Vous trouvez et achetez le Wizard de verre, débloqué de partout. Et sur les 15 minutes clair de lune, t'as débloqué le snobisme. Pas mal. Le marchand. Joli. Feu de l'enfer, 976 de DPS. Et ben. En 4 minutes. Propre. Bon, bah je pense que je vais m'arrêter là, moi, si ça ne vous embête pas. Ouais, et moi bah non. Vas-y, Kilo, on se retrouve pour faire du No Creeper hein, ce week-end, ou pas? Yep. Oui. Bon, déjà, si vous voulez dire au revoir à la VOD, après on pourra papoter. Débisons. Au revoir à la VOD. Merci beaucoup de nous avoir regardé. À très vite.